a commencé à balayer en désordre, a commencé à nettoyer en désordre. La vision que j'ai vue m'a fait peur, frère. J'ai été effrayé par la puissance de Dieu. C'est pourquoi je me demande comment des gens peuvent être tranquilles quand le spirituel est en mouvement. Comment des gens peuvent être tranquilles quand le spirituel est secoué. Quand tu ne vois rien. Quand tu ne vois rien. Quand tu ne vois rien. Tu ne peux être que tranquille. Mais quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as la puissance de Dieu, quand tu as la présence de Dieu, quand tu sais ce que Dieu veut, il y a un jugement divin qui est en train de s'abattre. Dieu est rentré dans une phase de jugement divin. Dieu est rentré dans une phase de jugement. Il est rentré dans une phase de jugement. Dieu est rentré dans une phase de jugement, Côte d'Ivoire. Dieu est rentré dans une phase de jugement. Dieu aura tellement parlé, Dieu aura tellement averti, Dieu aura tellement dit, Dieu a tellement interpellé des gens, Dieu a tellement dit, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Dieu a tellement suscité des voix, il a tellement parlé. Dieu a tellement parlé, les gens n'écoutent pas. Les gens se sont basés sur leur renommée, leur relation, leur argent, leur popularité. Pour ne pas écouter la voix de Dieu. Pour ne pas écouter la voix de Dieu. Pour ne pas écouter la voix de Dieu. Dieu a tellement averti. Dieu a tellement averti. Dieu a tellement averti. Les gens ne coupent pas. Les gens ne prêtent pas attention. Les gens ne savent pas que Dieu parle. Ils 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 ne savent pas que Dieu leur donner des avertissements et que le temps pour Dieu d'avertir arrivait à échéance. Dieu n'est plus au temps d'avertir. Dieu n'est plus au temps de dire à quelqu'un ne fais plus ça, ne fais plus ci. Dieu n'est plus au temps d'avertir. Non, Dieu n'avertit plus. Dieu n'avertit plus. Dieu sévit. Dieu sévit. Car sa réputation est engagée, son nom est engagé, sa gloire est engagée, sa puissance est engagée, son nom est engagé. Son nom est engagé. J'ai vu une vision et dans cette vision, il y avait une pluie torrentielle, une tornade sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais comment qualifier cette pluie. Je ne sais comment la qualifier. Et il pleuvait tellement. Et il y avait des morts qui jonchaient les rues. Des morts, des gens tombaient à gauche, à droite. Des gens mouraient. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai vu dans cette révélation, ce que j'ai cerné dans cette révélation, Dieu m'a donné une vision sur la Côte d'Ivoire. Et sur cette vision-là, les gens mouraient, mais le gouvernement était désemparé, était déséquilibré, il ne savait pas où donner de la tête. Il était déséquilibré. Camarades, je veux juste vous demander de prier. Il y a des choses que je peux pas vous dire maintenant. Oh God. Des gens mouraient. Comme si une main s'apesantissait sur cette nation. Comme si une main s'apesantissait sur le pays. Pour chicoter, pour frapper. Ah! Ah! Dieu est rentré dans une colère que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu est rentré dans une colère que les gens ne peuvent pas imaginer. Tous ceux qui auront touché au maraboutage, à la franc-maçonnerie, tous ceux qui auront touché au fétichisme, tous ceux qui auront touché à tout ce qui est magie, tous ceux qui auront usé de subterfuges, mentir au nom de Dieu, Dieu s'est levé pour régler ses comptes. Dieu s'est levé pour régler ses comptes avec ces personnes. Dieu s'est levé pour régler ses comptes, frère.
Dieu s'est levé pour régler ses comptes. Dieu s'est levé pour régler des comptes. Dieu s'est levé pour régler les comptes. Dieu s'est levé pour régler les comptes. Dieu s'est levé pour régler les comptes. Camarades, Dieu s'est levé pour régler les comptes. Il est bon, mais il est juste. Il s'est levé pour régler les comptes. Oui. Oui, frère. C'est dans cette même veine que j'ai vu un leader religieux tomber. Dieu l'a chipoté parce que ce leader a touché à quelque chose que Dieu ne voulait pas. Il a touché à quelque chose. Il risque de tomber s'il ne se répand pas. Il a touché à quelque chose que Dieu ne veut pas. Il a touché à quelque chose que Dieu ne veut pas. Il a touché à quelque chose que Dieu ne veut pas. Karabasha karabayana. Frère, je vais vous demander de prier. Nous allons rentrer encore dans 24 heures de jeûne. Frère, nous allons prier encore pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour notre nation. Nous allons prier pour le Cameroun. Nous allons prier pour le Gabon. Nous allons prier. 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 Nous allons prier, camarades. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh God. Oh God. Oh God. Karabasha karabayada. Jesus. Je vois des leaders politiques qui sont en train en ce moment de parler de l'assassinat d'un président en Côte d'Ivoire. D'un ex-président. Ah, ministère prophétique n'est pas bon. Ministère prophétique n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ministère prophétique est terrible, camarade. Je veux vous appeler à prier parce que il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se produire. Je vois, ils sont 1, 2, 3, ils sont en train de se préparer. Et absolument, c'est-à-dire que si ce leader leur fait ombrage, ou devrait leur faire ombrage dans peu de temps, ils ont déjà tout prévu pour le faire assassiner. Ils ont déjà tout prévu, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prévoir l'assassiner. Voilà. Ils sont en train de prévoir l'assassiner. Je dis ça en public pour que vous compreniez que je ne suis pas un enfant. Aïe, 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 aïe. Camarades, rentrez en jeûne pour la Côte d'Ivoire. Et je vais m'asseoir tranquillement pour vous parler de ces révélations. Je vais casser les papos pour vous dire. Je m'assois tranquillement pour vous parler de ces révélations. Je m'assois tranquillement pour vous expliquer ces révélations. Je m'assois tranquillement pour vous dire ces révélations. Oui. Oui, camarade. Oui, camarade, ce que je vois n'est pas bon. Ce que je vois n'est pas bon. Ce que je vois n'est pas bon. N'est pas bon. Ce que je vois n'est pas bon. Ah. Et il y aurait un affrontement entre deux forces. À cause de ce président, de cet ex-président. Bon, je m'arrête là, camarade. Je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous quand on aura fini les 24 heures de prière. Quand on aura fini les 24 heures de prière, je vous donne rendez-vous. J'ai vu des leaders religieux s'asseoir pour planifier la mort, du moins des leaders politiques en train de planifier, c'est leur dernier plan, de planifier la mort d'un ancien président. Parce que ce gars-là va leur faire ombrage. Ce gars-là
à le faire lâche. Ils sont en train de planifier comment faire pour l'éliminer. Ils sont en train de planifier comment faire pour le tuer. Comment faire pour l'assassiner. Ça est déjà dans les tuyaux. Je vois cela. Ça est déjà dans les tuyaux. Je vois cela. Je vois cela. Je vois ça. Je vois ça. Je vois ça. Je vois ça. Sa liberté n'est pas une joie pour certaines personnes. Sa liberté n'est pas un bonheur pour certaines personnes. On veut s'en servir comme escalier. On veut s'en servir juste comme escalier. Mais ce n'est pas une joie pour les gens que cet homme soit libre. Et à cause de lui, à cause de ce qui va arriver, voici ce que l'Esprit est en train de montrer. Il risque d'avoir un affrontement, camarade. Mais qui sera terrible, camarade. Je veux m'arrêter là. Parce que j'ai à peu près une dizaine de révélations à partager avec chacun d'entre vous. Une dizaine de révélations. Et je veux obéir à mon chef. J'étais sûr que j'allais finir mon direct aujourd'hui. Quand il me dit de vous demander d'entrer en prière, d'entrer en jeûne, de prier pour la Côte d'Ivoire. Mais je veux casser les papos, je veux dire des noms. Je veux casser les papos, je veux dire des noms. Camarades, je vous en prie. Entrons en prière pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Entrons en prière. Entrons en prière. Entrons en prière. Entrons en prière. Je m'arrête là. On aura peut-être rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Merci.